Hey tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis super, 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 super heureuse de te retrouver pour une vidéo tatouage. Logique, mes vidéos préférées. Et les vidéos tatouage, c'est mes vidéos préférées. Donc, avant ça, j'espère que tu vas bien. Je te demande ça parce que, vas-y, ici sur ma chaîne, on est pas mal poli. Donc, j'espère que tu vas bien. Si tu es en vacances, j'espère que tu profites de tes vacances parce qu'on vient d'être déconfiné. Donc, franchement, le feu, profitez. Et si tu es en période d'examen, bah, j'espère pour toi que tu vas les réussir. Et surtout, force à toi pour les examens. Franchement, au lieu de regarder mes vidéos, tu ferais mieux de réviser. Mais vas-y, ma vidéo, elle dure pas longtemps. Donc, reste ici, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tatouage, comme je t'ai dit. Donc, comme tu as vu dans le titre, je me suis tatoué les oreilles. Enfin, je me suis tatoué les oreilles. Je suis trop contente. Donc, je te montre vite fait ce que ça donne. Donc, voilà. Petite lune, petit trait, tout trop joli. Et là, ben, c'est du feuillage, en fait, pour habiller mon oreille. Donc, franchement, j'aime trop. Je t'explique. Ça faisait assez longtemps que je voulais me faire tatouer les oreilles. Ça faisait un an ou deux. Mais à chaque fois, je ne voulais pas parce que je me disais, pour le monde professionnel, c'est super compliqué d'être tatoué près du visage, quoi. Après, je me suis dit, clairement, vas-y, on s'en fout. Là, j'ai un tatouage dans le cou, on voit que ça. Donc, je me suis dit, oreille ou pas oreille, on s'en fout. Et hey, au bout d'un moment, on est en 2021, les gars, faut se réveiller. Au bout d'un moment, il n'y a plus de, ouais, on la prend pas parce qu'elle est tatouée ou quoi. On est en 2021, pourquoi? Je sais pas, il y a des pays où les tatouages, c'est tout à fait normal. Ici, trop de chichis en France, ils sont là. Tu vas avoir un point sur le doigt, oui, c'est pas professionnel, ça fait sale. Hey, vous êtes fous, je vous jure, vous êtes fous. Franchement, moi, ça me gave qu'on est dans un pays comme ça qui est aussi fermé pour les tatouages et tout parce que se démocratiser au bout d'un moment, faut, je sais pas, moi, c'est chacun fait ce qu'il veut son corps. J'ai envie d'avoir des tatouages plein sur le visage, je vais en faire plein sur le visage, donc voilà. Bon, après, les jeunes qui me regardent, faites attention parce que, comme je vous ai dit, en France, tu te fais tatouer les mains, ça y est, tu trouves plus de travail, tu te fais tatouer là, tu trouves plus de travail, donc... Les jeunes, faites attention, faites pas n'importe quoi. Commencez pas à vous tatouer partout sur le visage ou quoi, ou sur les mains, parce que après vous allez galérer à trouver du travail. Mais là, en fait, les oreilles, je me suis dit quoi? Je me suis dit, déjà j'en ai un là. Donc en vrai, un au-dessus, ça va pas changer grand-chose. Et en plus de ça, je peux clairement le cacher avec mes cheveux. Mes cheveux ou mes perruques, parce que là, c'est une perruque, parce que hey, mes cheveux m'ont gavé. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'ai mis une perruque. Je peux le cacher en fait, genre en mode si je veux qu'on le voit, j'attache mes cheveux, si je veux pas qu'on le voit, je mets mes cheveux comme ça et c'est réglé, c'est top. Donc vas-y, je suis grave contente de l'avoir fait. Après, il y a eu le confinement et tout, donc tu connais confinement, les shops ils étaient fermés et tout. Du coup, je viens de le faire que maintenant, mais je devais le faire depuis longtemps. Mais vas-y, je suis trop trop contente de l'avoir fait. Et vas-y, je suis refaite en fait. Là, j'ai les oreilles tatouées. En plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les oreilles tatouées, donc ça aussi, je suis contente parce que j'aime trop avoir les trucs que les gens ils ont pas. Bien sûr, je sais que ça se fait de plus en plus et que, vas-y, dans quelques années, on va avoir grave de gens avec les oreilles tatouées comme moi, mais vas-y, j'aime trop, j'aime trop. Au moins, je pourrais dire, ouais, moi, je l'ai fait il y a longtemps et tout, je pourrais grave faire la meuf. Mais bref, on s'en fout. J'ai regardé sur YouTube, j'ai pas vu beaucoup de vidéos tatouage oreille, à part celle de Bastien Tatou, il y a pas longtemps, il en a sorti une il y a 2 jours, genre, il s'est fait tatouer 2 jours avant moi. Enfin, peut-être pas 2 jours, mais il a mis la vidéo 2 jours avant celle-là, quoi. Donc, voilà. Sinon, j'ai pas vu d'autres vidéos de tatouages sur les oreilles. Du coup, je suis grave contente de vous en présenter une. Et voilà, quoi. Donc, je vais te présenter mes tatouages. Donc, vas-y, je vais te les afficher à l'écran. Ça va être plus facile. Tu peux voir comment ils sont bien faits. Genre, hé, mes best tatouages, ils sont trop, trop beaux. Si tu veux savoir chez qui je l'ai fait, ben je l'ai fait sur ma tatoueuse préférée. Donc, c'est celle qui m'a fait mon gros dragon là. Je t'avais fait une vidéo dessus. Je te l'affiche à l'écran aussi si tu veux aller voir. C'est Morgan Tattooing. Donc, son shop, il s'appelle Les Amazon Tattoo, il me semble. C'est à Juin-les-Pins. Non, non, non. C'est à Antibes. C'est pas à Juin-les-Pins, c'est à Antibes. Mais bon, Juin-les-Pins, Antibes, c'est pareil. Donc, si tu veux y aller, franchement, fonce parce qu'elle fait grave du beau travail. Et vas-y, moi, je savais en allant chez elle, j'allais pas être déçue. Genre, parce que tout ce qu'elle fait, tu peux pas être déçue. En fait, c'est trop beau. Et je savais que ça allait être trop beau et tout. Du coup, ben, c'est trop beau, comme tu as pu le voir. Et je suis super contente. Après, la douleur. Donc, je vais t'expliquer la douleur. Bon, ben, la douleur, c'est synonyme de chacun, comme tu le sais. Ça se trouve, toi, tu vas avoir mal, moi, je vais pas avoir mal, etc., etc. Mais moi, je vais te dire mon ressenti à moi. Donc, en haut, j'ai pas du tout eu mal. En bas, ben là, j'ai rien, mais dans notre oreille, j'ai. Enfin, ça fait pas mal, tu vois. Mais là, au milieu, c'est vrai que ça fait plus mal qu'en haut, tu vois. Pareil, là, ici, j'ai pas eu mal, là, j'ai pas eu mal. Mais au milieu, alors c'est juste un trait au milieu, c'est même pas du remplissage. Hein. Mais dis-toi que le trait qui est au milieu, il m'a fait plus mal que les mini remplissages en haut et en bas. C'est vraiment le milieu du cartilage qui m'a fait mal. Mais sinon, franchement, fonce, ça fait pas mal du tout. Moi, je pensais qu'en haut, ça allait me tuer et tout. Et pas du tout vraiment à l'aise. Après, c'est des. C'est
C'est vite fait, tu vois, c'est pas long, c'est pas une grosse pièce. Donc forcément, même si ça te fait mal, ça va te faire mal genre 10 minutes, 15 minutes, mais voilà. Mais du coup, je suis super contente, je suis grave, grave, grave Pour ce contente. qui est du prix, j'ai payé les deux oreilles 120 euros. Donc moi, je trouve ça grave raisonnable. Genre, en plus, les oreilles, c'est super dur à tatouer, vraiment. Enfin, c'est... Je suis trop contente, elles sont trop belles, mes oreilles. Et voilà, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Franchement, à part, je vous ai mis les photos, je vous ai dit le prix, la douleur. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais voilà, tout simplement, petite vidéo tatouage oreille. Donc, ce que j'utilise pour la cicatrisation, c'est ce baume-là. J'utilise pour tous mes tatouages. Celui-là, il sent trop bon. Je crois que c'est du beurre de mangue. Franchement, il est comme ça. J'en ai tout le temps chez moi. Il sent trop bon. Donc, ça, il y a certains tatoueurs qui le vendent. Ma tatoueuse, elle le vend. Tu peux le commander sur Amazon. Tu peux le commander sur Internet. Tu peux le commander partout. Il est partout. Et c'est mon best. Franchement, une pépite. À chaque fois que j'en ai plus, j'en rachète. Même quand je me fais pas tatouer parce que j'en mets sur mes lèvres, j'en mets sur mon visage et tout. Enfin, j'en mets partout. Donc, je l'aime trop. Après, là, j'ai mis ma perruque pour te montrer le tatouage. Mais pour pas être trop moche à la caméra. Mais du coup, comme je suis chez moi, ben, je laisse mes cheveux attachés pour qu'ils respirent et tout, pour pas trop que ça mette de la poussière dedans. Et voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que t'as kiffé le concept. J'espère que t'as kiffé les tatouages. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses et tout. Je serais heureuse de savoir. Et ben, on se retrouve bientôt pour les nouvelles vidéos. Voilà, bisous!